C'est là où tout a commencé, à l'époque du Far West. Il fait chaud, très chaud. L'air est sec, il y a du sable partout. Une bonne douzaine de chevaux attendent près de l'abreuvoir. Ce n'est pas dans l'habitude. Quelque chose cloche. Une équipe de cow-boys est réunie pour parler d'un problème, d'une extrême ampleur. Un de leurs amis, celui qui a le rôle le plus important, vient d'être emprisonné dans un village voisin. La prison est gardée jour et nuit par une douzaine de gardes. Ils sont rapides, trop rapides. Ils réagissent au moindre mouvement. Avec l'aide des enfants, les animateurs ont réussi à trouver la personne qui pourrait nous éclairer sur les faits réels. Monkey est l'animateur qui a tout vu à propos de la disparition de notre fidèle ami. C'est moi le meilleur des animateurs. Oh! Ok, j'avoue tout. J'ai vu qu'est-ce qui s'est réellement passé. J'ai vu le shérif mettre les menottes à Luc, le trotteur. Ok? Mais vous auriez dû voir ça, la ressemblance était frappante. Mais la seule solution pour sauver Luc, le trotteur, ça serait de retrouver Luc, le brigand. Comme ça, on pourrait faire un échange. Et on pourrait montrer au shérif comme quoi qu'il était dans le tort. Donc, les cow-boys ont eu raison. Il y aurait alors erreur entre Luc, le brigand et le trotteur? Je le crains bien. Les enfants ainsi que leurs animateurs sont prêts à tous pour retrouver leur ami Luc. Ils décident du village par lequel ils commenceront leur recherche. Saint-Libois? Non! Saint-Charles? Non. Saint-Mathieu-de-Belleuil? Non. Saint-Basile? Non. Ottawa Park? Ah! Alors? Commençons les recherches. Pourquoi? Mais pour te guider. Ah, tiens. Génial. Cours, avancez. Hommes, femmes, enfants et animaux. Ensemble, nous avons marché. Jour et nuit, nous avons marché. Vers l'ouest, nous avons marché. Pour notre honneur, nous avons marché. Jusqu'à temps d'arriver à un personnage bien spécial. C'est en marchant que nous, animateurs du camp de jour, avons fait la connaissance de Bernard le Draveur. Depuis de bien longues années, je pratique le métier le plus important du monde. Bien plus important encore que le métier de médecin, de sorcier, d'évisseur, ou encore de charcutier. Mon métier est celui du draveur. Celui de bouger des bûches dans l'eau afin qu'ils suivent un cours d'eau. C'est là où j'ai vu Luc le brigand. Il mangeait des pâtes au pesto ou du ballonné, je ne me rappelle plus. Voilà.
C'est mon histoire. C'est donc là qu'il faut chercher Luc le Brigand. C'est là où j'ai vu Luc le Brigand. Nom d'un crottin de cheval, où se trouve cette montagne? Nom d'un épi de maïs, mais c'est trop facile, c'est à Saint-Py! Mais ça tombe bien, c'est là qu'on va cette semaine! Allons-y! Nous sommes allés à Saint-Py et malheureusement, personne n'a réussi à voir Luc le Brigand. Par contre, Ficello a pu s'asseoir avec un campeur qui réside là-bas. Alors, ce campeur-là, j'étais assis avec, il me racontait que il passe été, hiver, puis savez-vous quoi? Encore un été, encore un hiver, encore un été, encore un hiver. Puis là, lui, il vit dans son gros Winnebago. C'est luxueux, mais c'est un Winnebago, tu sais. Puis il me racontait qu'il aurait aimé ça, s'acheter une grosse maison. Fait que là, il a sauté sur l'occasion. Il m'a dit, votre Luc le Brigand, là, moi, je l'ai vu passer, je peux vous donner un indice. Mais vous, vous avez un camp de jour. Votre camp de jour, j'aimerais ça qu'il m'échange des grosses pierres, là, des pierres précieuses, j'ai su qu'il y en avait. Fait que là, j'ai fait le deal, hein. T'sais, je me suis dit, lui, il va avoir une grosse maison, puis nous autres, on va y échanger les pierres, on va avoir l'air. Ouais, moi, ça me fait penser à une histoire. Est-ce que vous connaissez l'histoire des pirates d'Ottoman Park? Non. Vous connaissez pas ça, votre mère? Vous comptez pas ça quand vous étiez jeune? Non. Non. L'histoire des pirates d'Ottoman Park, là, c'est qu'il y a 450 ans, Ottoman Park, c'était comme une espèce de grosse lac rivière, OK? Puis il y avait tout le temps des bateaux de pirates qui venaient ici pour comme s'échanger des pierres précieuses, s'échanger de l'or, tout ça. Puis il y a plein de bateaux qui ont coulé. En coulant, les pierres précieuses et tous les trésors sont tombés dans l'eau, puis ce serait tout répandu sur les terres d'Ottoman Park. Bravo les enfants! Ils ont réussi! Le campeur est heureux puisque les enfants lui ont donné des pierres précieuses et en échange, il nous a livré l'endroit où se cache Luc le Brigand. Luc, il est dans les nuages? Non, là, commande la gang! On arrête de chercher Luc le Brigand, puis on s'est le temps de jouer au ballon chasseur. Go! Quoi? C'est quoi ce gang? On n'a pas le temps de jouer à un jeu sans pitié, là. Faut aller trouver Luc le trotteur. Non, là, c'est le temps de jouer au ballon chasseur. Go! Yeah! 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 Yahoo! Thank you.
Ben non! Luc le Rotor est encore en prison! C'est sûr que c'est Luc le Brigand! Allons, chauffons le méchant brigand! Ah! Ah! Il est ici! Oh là! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Amène-le! Arrête de résister, Luc le Brigand! Lâchez-moi! Action.